Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legends. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, surtout, et puis nous allons télécharger et installer Watch OS 3 bêta 1 pour l'Apple Watch. Avant toute chose, à signaler pour les utilisateurs qui s'apprêtent à installer l'application, on va dire la version en question, vous êtes le seul et responsable, c'est vous que vous décidez de l'installer et non la chaîne YouTube iPhone Legend vous l'oblige à l'installer par force. Voilà, ça aussi, il faudra bien se le mettre dans un petit coin au fond de la tête avant toute chose d'installer tout et n'importe quoi par défaut. Avant toute chose de faire, il faudra surtout jumeler son Apple Watch avec l'iPhone. Pour ça, vous allez retrouver la vidéo dans la description de cette vidéo-là que je suis en train de présenter avant toute chose. Et puis, sauvegarder ses données personnelles, c'est le plus important. Voilà. Maintenant, nous allons aller sur Safari. Voilà, vous tapez Mojo Install Co. Voilà. Vous cliquez au milieu, ici. Vous appuyez sur le bandeau violet. Ok. Installer, install. Voilà, ça va prendre quelques secondes encore. Ok, pour tout ça. Install encore. Install. Encore, suivant. Install et installer. Ok, c'est tout bon pour ceci. Là, vous avez l'application Mojo qui se trouve sur l'écran de mon iPhone. Je clique dessus. Voilà, je fais glisser mon doigt de la droite vers la gauche. Hop, là, il y a eu un petit bug. Voilà, je slide. Voilà, comme ceci. Désolé pour le petit retard qu'il y a eu. Vous inquiétez pas, c'est mon doigt qui a glissé, ça pouvait pas passer. J'ai fait un retour et maintenant j'attends que Mojo se rétablisse correctement. Voilà, très bien pour ceci. Je vais dans la source de Mojo. Je vais tout en bas. Je vais dans Watch Beta Profil. Ok, j'installe Watch. Vous appuyez pour Apple Watch. Ok. Et maintenant, vous installez, install et installez pour finir. Ok. Maintenant, nous allons attendre gentiment. Redémarrer votre Apple Watch. Oui, vous redémarrez votre Apple Watch pour qu'elle prenne bien en marche pour attendre surtout la nouvelle version. Ok, pour ceci. Ça, on s'en fout. Là, mon Apple Watch, elle est en train de redémarrer. Je vais faire une petite coupure vidéo et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Tour pour la suite de la vidéo. Mon Apple Watch vient de redémarrer normalement. Et puis, je retourne dans Apple Watch. Ok, maintenant, mon profil a été enregistré et j'attends la nouvelle version. Il faut 50% de charge de batterie minimum. Ouais, il faut ça au moins en dessous de 50, vous ne pourrez pas installer la nouvelle version. J'appuie sur install, j'accepte. Voilà, et puis le cours du téléchargement, j'espère qu'il se fera très rapidement. Je vais laisser pendant encore quelques secondes qu'il commence à faire le petit trait, et puis en espérant que toute les manipulations au vis-à-vis de l'installation et des programmes qui seront installés sur l'Apple Watch sera en état de marche très prochainement sur l'Apple Watch que j'ai, c'est l'Apple Watch Sport. Voilà. Là aussi, il faudra un certain temps avant que le décompte du téléchargement se mette en marche pour ceci. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est pour installer la nouvelle version watchOS 3 bêta 1, mais sans compte développeur. Si vous installez la version par un autre programme, par exemple,
vous aurez spécialement le certificat Apple pour avoir cette version-là. Mais avoir un compte Apple développeur, ça coûte à peu près une centaine d'euros. Centaine d'euros, c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, vu que l'installation est en cours, je vais faire une petite pause et on se retrouve vers la fin de l'installation vis-à-vis de la vidéo, tout ça pour la nouvelle version pour l'Apple Watch. Voilà, merci beaucoup de votre compréhension. Pour la suite de la vidéo, comme vous le voyez à mon écran, le décompte du téléchargement a commencé à se faire. Là, comme ils me le disent, il reste 2 heures. Il faudra surtout attendre un petit peu. Il y a quelques instants de ça, je viens de couper surtout la Freebox. Quand vous avez une Freebox ou n'importe quel opérateur, vous amusez à regarder la télé, ça commence à diminuer, on va dire, le temps. Ouais, pour le temps, il sera vraiment plus long à l'installation. Je vous compte de couper votre Freebox, couper les Wi-Fi à côté si vous avez d'autres appareils, tout ça. Et le téléchargement se fera vraiment plus vite. Et j'espère vous trouver très rapidement pour la dernière version watchOS 3 bêta 1 sur l'Apple Watch. Cette fois-ci, je ne vais pas faire montrer l'Apple Watch à l'écran. On se retrouvera surtout dans une autre vidéo, j'espère demain, pour ça. Et je vous expliquerai un petit peu le contenu de l'Apple Watch, à quoi ça va ressembler. Dans la nouvelle version surtout. Voilà, je fais une dernière coupure et on se retrouve à la fin de l'installation pour l'Apple Watch. Voilà, merci beaucoup de votre compréhension. Pour la suite de la vidéo, enfin, après l'installation, après surtout 2 bonnes heures et demie d'attente, après tout ça, l'installation vient juste de finir sur mon Apple Watch, a été réussi avec le plus grand succès surtout. Avant toute chose, de passer à l'étape suivante, c'est surtout depuis le début que vous allez installer Watch iOS 3 bêta 1, n'oubliez surtout pas, et il ne faut pas du tout, je veux dire, débrancher l'Apple Watch du chargeur. Il faut être au minimum au-delà de 50% sur votre iPhone. Voilà pour ceci. Après, ce qui se trouve, ce qui s'est passé entre ces étapes-là, il y a eu déjà le téléchargement, là où je suis allé chercher l'application, on va dire, l'installation. Il va vous demander la vérification, un moment après le téléchargement complet du petit trait. Vous allez voir déjà ce qu'il y a eu avant tout ça que je suis en train de parler. Il va avoir aussi un moment un décompte sur votre Apple Watch. Il faudra appuyer OK pour que vous êtes d'accord d'avoir Watch OS bêta 1 sur votre Apple Watch. Après, le sablier comme nouvel Apple Watch va tourner une fois. Votre Apple Watch va s'éteindre, se rallumer. Elle va refaire encore un deuxième tour, le même système plus rapidement. Et puis après, votre Apple Watch va être normalement au redémarrage. Voilà. Avant toute chose, maintenant, je vais rentrer dans l'application Apple Watch. Par exemple, ici, je vais dans Mise à jour. Et quand vous allez voir, mon Apple Watch est à jour maintenant. Voilà. Je vais dans Informations. L'Apple Watch, pareil, est vraiment à jour. Je suis vraiment au complet. Elle s'allume. Elle pose aucun problème pour l'allumer. Pour naviguer, la même chose. Et une seule truc à retenir, vous pouvez changer les cadrans qui a été totalement changé avec un nouveau look, comme vous allez voir demain surtout. Je vais vous présenter plus de détails, comme ça vous voyez ici, ça a totalement changé. Et même système sur l'Apple Watch dans activité, tout ça. Je vais surtout, si vous voulez bien me rejoindre sur Twitter, je vais envoyer quelques images de mon Apple Watch avec les quelques nouveautés avant que de faire la vidéo demain pour vous donner un arrière-plan d'avant-goût surtout. Et j'espère que vous serez content de la vidéo. Nous n'avons pas eu besoin d'ordinateur pour mettre à jour l'Apple Watch pour Watch iOS 3 bêta 1.
Sans compte développeur, ça aussi c'est une bonne chose. Comme j'ai dit au début de la vidéo, un compte développeur c'est quand même 100 $, ça fait presque 100 € pour ça. Et voilà, la vidéo va se finir dans un court instant. Surtout, avant toute chose, merci à tous d'avoir passé un petit bout de temps avec moi dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. De même, si vous le souhaitez, partagez la vidéo ou vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant de votre passage. Voilà. Je pense, j'ai tout dit dans la vidéo. Je pense vous allez comprendre comment mettre la nouvelle version. Et puis maintenant, on va se quitter. Et surtout, on se retrouvera demain en fin d'après-midi. Là, ça a duré pas mal de temps. Et j'étais obligé de faire des petites coupures pour écourter la vidéo. Voilà. Merci à tous. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao à tous. Bye.